La seule façon de retrouver la petite, c'est de confier l'enquête à quelqu'un d'aussi malchanceux qu'elle. Oh là 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 là. Je vais me donner à fond sur ce coup et ça va faire mal. En route. Allez vous coucher. Je serai sur le pont. Qu'est-ce que vous allez foutre sur le pont? Interroger une de ses camarades. Je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de chance dans votre enquête, mais à nous deux, ça va changer, croyez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Et vous vous enfoncez sans réagir? Si je réagis, je m'enfonce encore plus. C'est bien connu, il ne faut pas se débattre dans les sables mouvants. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Ben, si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. C'est fini, oui. Excusez-moi, mais je crois que j'ai un ticket. C'est une pute. 50 dollars, elle se couche tout de suite. Je crois que vous foutez le doigt dans l'œil. Essayez. C'est moi qui vous les donne si ça ne marche pas. C'est pas son jour, dit-on. C'est jamais son jour. Il est tombé? Sûrement, oui. Ça me rappelle le pavillon de mes parents à Saint-Cloud. Il y a une tornade à Saint-Cloud? J'avais acheté une bouteille de butane et... Pourquoi vous me regardez comme ça? Ça va pas? Si, si, ça va. Mais il est temps de passer à l'action, je commence à avoir des fourmis dans les jambes, moi. Mais jamais! Quelles sont les formalités pour faire partie du club? On vient tirer le dépôt qu'on a fait chez vous. Monsieur, dame. Oh, mais quel con, alors! Défendez-vous. Faites pas l'idiot. Vous allez vous faire mal, je vous dis. J'avais une vie un peu plate avant de vous rencontrer, Perrin. Merde. Si elle me pique, je meurs. Oh. En vacances, une fois, j'étais piqué. Une semaine d'hôpital. Failli crever. Je gonfle, puis je me mets étouffé. Bougez pas. Faut pas l'affoler, je vous dis. Elle est comment, là? Elle est affolée? J'ai l'impression qu'elle s'est assoupie si elle fait sa nuit, Perrin. Si, je reste foutu. Rires.